بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mes frères et sœurs en islam, je fais ce témoignage, cette petite vidéo pour témoigner de ce que j'ai pu vivre depuis que j'ai découvert le shir Sidi Shir Mohamed Fawzi Al-Karkari, Hafidhahullah. Alors j'ai découvert Waliullah grâce à la chaîne YouTube, la version en arabe et après la version en française. J'ai pu assister à quelques-uns de ses cours, et tout de suite après avoir pu écouter deux ou trois cours, j'étais directement apaisé, serein, heureux. Il parlait avec des mots très simples. Ça me rappelait les paroles de ma grand-mère, la yarhamha. Il parlait avec des mots très simples, très compréhensibles, pas compliqués. Et c'est ça qui m'a beaucoup plu chez Waliullah. Et j'avais des difficultés pour voyager, pour aller me rendre à la Zawiya afin de prendre la Bay'a, afin de lui demander de devenir un de ses disciples, de ses faqirs. Afin que j'avais trop envie de partir à la Zawiya pour lui demander de devenir mon maître spirituel, mon père spirituel. Et subhanallah, on va dire une semaine et demie à peu près que j'ai découvert Waliullah sur la chaîne YouTube, mon cœur s'est directement accroché à Sidi Cheikh Mohamed Fawzi Al-Karkari, Hafidhullah. Je l'ai aimé directement, j'ai été apaisé directement dès que je l'ai connu, parce que c'est la personne que... Comment... Je sais pas si je peux me permettre de dire ça, mais je parle spontanément et s'il y a des erreurs dans les paroles que je prononcerai, Inch'Allah, mes grands frères dans la tariqa me corrigeront ou feront un commentaire. Voilà, moi, comment expliquer, j'ai 36 ans et on va dire depuis la vingtaine. Je suis sans arrêt en train de voyager un peu partout, en Égypte, au Yémen, en Arabie Saoudite, en Algérie, en Tunisie, un peu en Turquie à la fin, mais c'était pas pour étudier. Et dans mes nombreux voyages, à chaque fois, c'était pour essayer de trouver de m'asseoir devant un shir, profiter de lui, ressentir de l'amour de ce shir, avoir des explications sur, recevoir un enseignement. Un enseignement de la vie de mon prophète, de la vie des compagnons du prophète, et de profiter de ce shir. Donc j'étais amené à voyager à Damej, au Yémen, je suis resté là-bas 4 mois. Je suis allé en Égypte, j'ai rencontré un shir là-bas très sympathique, très accueillant, auprès de qui on allait le vendredi faire la prière et on profitait à certains de ses cours. Et sincèrement, on va dire dans ces 16 années ou 17 années de recherche d'un guide spirituel, d'un guide religieux, de quelqu'un qui a compris la religion, qui la met en pratique et qui veut la propager de la plus belle des manières, j'ai jamais été touché aussi fort qu'avec Sidi Cheikh Mohamed Fawzi Al-Karkari. Je ne pensais pas que ça existait un homme qui a un comportement de cette qualité, une manière d'enseigner l'islam aussi simple et de très bonne qualité, une patience vis-à-vis de tous ses étudiants. Moi, le ressenti que j'ai eu, c'est le ressenti que beaucoup de disciples ont eu au cours de Waliullah. C'est subhanallah, à chaque fois que j'ai pu assister durant mes 4 jours à la Zawiya
au cours de Waliullah, j'avais l'impression qu'il me parlait à moi directement. Il y a des moments où il fait des cours, ben j'ai l'impression qu'il me connaît et puis il est en train de me parler, en train de me dire c'est à toi, Fakir Abdelkarim, tu dois faire ça avec tes parents, tu dois faire ça avec pour ton nefs, tu dois faire ça avec tes frères et sœurs en islam, tes frères et sœurs de sang, tu dois faire ça avec ton argent, tu dois faire ça. À chaque fois qu'il parlait, je me sentais concerné. Alors des fois, ça faisait mal à la nefs parce que je me disais, ah là, ce qu'il est en train de dire, c'est un peu, ça fait peur, et j'ai intérêt à me corriger, à changer mon comportement pour m'élever spirituellement, pour être aimé d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce sentiment, je l'ai eu qu'avec ce shir. Tous les mashayikhs que j'ai pu aller auprès desquels j'ai pu m'asseoir, subhanallah, sincèrement, que Dieu les préserve, les guide sur la vérité, on va dire sur une assise, sur un cours qui va durer 1 heure ou même 2 heures, il va avoir 30 minutes de cours réel où on va parler de. On va parler de hadith dans le Bukhari ou de versets du Coran où ils vont donner leur avis parce qu'ils sont aptes à donner leur tafsir dans le Coran ou à Sharah à donner une explication du hadith. Et tout le reste, eh ben on est là à parler sur un tel est innovateur, un tel est comme ça, un tel est comme ça. Et ça, personnellement, moi, personnellement, je ne dis pas que c'est bien ou c'est pas bien. Je dis simplement que moi, ça m'a pas été profitable, ça a pas permis à mon cœur de trouver la joie de vivre, le bonheur de vivre, de remplir mon cœur d'amour vis-à-vis de mes parents, ma famille, mes frères et sœurs en islam. J'étais arrivé à un point où je me disais, subhanallah, je vois dans les hadiths que les musulmans, on est soudés. Si. C'est subhanallah, s'il y en a un parmi nous qui est en souffrance ou qui a malheur le touche, et ben on est tous touchés par ce malheur et cette souffrance. Mais je ressens pas ça la communauté musulmane. J'ai pu avoir des grosses épreuves et j'ai pas senti le soutien de qui que ce soit. Et des frères que je connais, il leur est arrivé aussi de grosses souffrances, certains même des scléroses en plaques, des graves maladies ou des épreuves de prison de longue durée. On ne va pas les soutenir, on n'est pas là pour eux. Et ce que je recherchais dans l'amour entre les frères, je l'ai senti avec les fuqara de Sidi Cheikh Mohamed Fawzi El-Karkari, et directement. C'est impressionnant, le cœur il est touché. Dès qu'on se dit salam alaikum, et ben déjà on est humble, on voit notre frère comme quelqu'un de supérieur à nous, quelqu'un qui va nous apprendre, qui a un enseignement, il y a un enseignement à tirer de mon frère, il a quelque chose en lui que. Si j'observe bien et je reste humble, je vais l'apprendre, je vais capter c'est quoi cette qualité qu'il a, et puis me l'attribuer à moi, pour m'enrichir, pour devenir quelqu'un de meilleur. Et c'est pour ça que ça, au début, ça m'a touché dans le cœur. Je connaissais pas ça, cet amour fraternel. Si on serre la main, on se fait un bisou sur la main en même temps, salam alaikum, sidi flen, et ça sort du cœur, et c'est subhanallah déjà rien que pour ça. C'est un énorme cadeau qu'on a dans la tariqa Karkaria. Ça, je suis très content déjà de l'amour qu'il y a entre les fuqara. C'est quelque chose de magnifique. Même dans les 4 jours, on a pu avoir des débats entre fuqara sur divers sujets et j'ai jamais vu d'agressivité ou d'attaque directe en disant non, tu es dans le faux, moi je suis dans le vrai, ou de l'énervement. C'était toujours dans le respect. Moi, je suis tel, dans l'école que je suis, c'est comme ça. Ah bah moi, par contre, j'ai tel avis, puis toujours dans le respect. Et on revient toujours à Waliullah, que fait-il dans cette mas'ala, dans ce. Voilà, qu'est-ce que fait Waliullah? Et on revient à lui. Ah, Waliullah, il fait comme ça? Eh ben on fait comme ça. Parce que c'est lui qui craint. Qui craint Allah, c'est lui qui a cheminé spirituellement et c'est lui qui est notre père spirituel et c'est lui qui est notre guide et notre maître. Donc on est là, on l'écoute et puis on revient à lui, on oublie. C'est comme moi, dans un cours, j'avais ressenti, il m'avait dit, je sentais qu'il parlait à moi en tant que débutant dans la tariqa, c'est il faut vider ton verre, tu vides ton verre, tu laisses plus rien, tu vides ton verre et tu le re-remplis.
de choses bénéfiques, utiles de l'islam. Tout ce qu'on t'a appris avant, le jarh wa ta'dil, la haine contre les entre guillemets innovateurs musulmans, contre les juifs, les chrétiens, tout ça tu enlèves. Là, tu vas remplir ton verre de bonnes choses, de belles choses, de versets coraniques, d'enseignements du prophète alayhi salam et de choses bénéfiques, des choses qui vont faire de toi un homme bon sur terre. Et c'est ça qui m'a beaucoup plu dans cette voie. Sincèrement, je me répète, mais en 17 années de recherche, je ne pensais pas qu'un jour j'allais découvrir un shir, un wali sur terre. Ma grand-mère, elle me parlait beaucoup des Aoulias Salihin qu'elle a connues petite en Algérie, certains, et des histoires qu'elle entendait de bouche à oreille sur les Aoulias Salihin. Et ben, quand j'ai vu ce wali, j'ai senti ça directement. Tout ce que ma grand-mère a pu me raconter, je l'ai vu devant moi. Le respect que les fuqara donnent à Waliullah et la modestie qu'a Waliullah, ça veut dire nous qui sommes-nous, sincèrement, je me sens pas mériter l'honneur qu'il m'a donné. Déjà d'approcher un homme comme ça, de pouvoir lui embrasser la main, faut pas croire que il faut pas avoir une mauvaise image en disant ah mais ils vénèrent leur savant ou leur imam. Non non, c'est pas vrai. Moi, la première fois que j'ai embrassé la main de Waliullah, j'ai eu honte toute la soirée. Pourquoi? Parce qu'il m'a embrassé ma main. C'est où il embrasse la main, ou il fait comme ça avec sa main, et il la ramène vers lui comme ça. C'est pas quelqu'un qui est orgueilleux ou qui a le takabbur, et comme on peut voir, étant comme une coutume dans certains pays de la péninsule arabique où il n'y a pas de retour. Non, non, Waliullah. On est ses fuqara, on lui fait un bisou de ce type parce que c'est une marque de respect, parce qu'on l'aime énormément. On est amoureux de lui, on l'aime trop. Il est là, il est là pour nous sauver des flammes de l'enfer, des châtiments de la tombe. Et alors, on n'a pas honte de dire ça. Moi, personnellement, ça fait des années que je recherche. Ça fait des années que je suis perdu et que je cherche ce saint homme. Et j'ai senti la délivrance. Dès que je l'ai écouté, j'ai dit Subhanallah al-Ali al-Azim. Qu'est-ce que c'est beau! Qu'est-ce que c'est magnifique la manière dont il parle! Il a une manière d'expliquer les versets du Coran, les lettres du Coran. Subhanallah, j'étais émerveillé. Que du positif, que du bonheur. Depuis que j'ai rencontré cet homme, ma vie, elle a été bouleversée. Sincèrement bouleversé, parce que dans un de ses cours, si je ne me trompe pas, il disait que pour arriver à atteindre, pour accéder à la lumière divine, il faudrait mettre dans son cœur comme quatre points, et il faudrait mettre l'amour pour Ali ibn Abi Talib, alayhi salatu wasalam, ainsi que son épouse, fille du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Fatima Zahra Tahira, et il faudrait mettre l'amour de Hassan, alayhi salatu wasalam, et Hussein, alayhi salatu wasalam. Et moi, j'étais un grand ignorant. Je suis sunnite, et depuis tout petit, je suis dans le sunnisme, et subhanallah, je ne connaissais pas Ahl al-Bayt. Pourquoi? Parce que j'ai suivi des dérives, comment dire, des chemins égarés de l'islam. Ma grand-mère connaissait Ahl al-Bayt. Le souvenir que j'ai de ma grand-mère étant petit, c'est. Elle chantonne le matin sur Lella Fatima Sayyidatuna Fatima Zahra Al-Tahira Siddiqa Shahida, tout le temps en arabe, Tghani ala Fatima Zahra Tghani, ou Tibki, et elle pleure. Et je disais, Subhanallah, ma grand-mère, pourquoi elle pleure comme ça? C'est qui cette Fatima Zahra? Et en grandissant et en suivant des chemins auxquels prêchent des êtres humains mal intentionnés, ils nous font oublier qui est Ahl al-Bayt, et ils mettent Ahl al-Bayt et les compagnons au même niveau, et puis on est perdu dans tout ça, et on nous donne comme héritage simplement un islam politique, un islam soi-disant attaché à la sunna, rigoureux avec la sunna, mais qui en réalité, si on remonte plus haut qu'aux années 1790, si on remonte aux années des pieux prédécesseurs, on s'aperçoit que la pratique des quatre imams ou de tous les pieux prédécesseurs, elle est bien loin de la pratique de ceux qui se disent être accrochés à la sunna à notre époque actuelle. Donc,
pour pas m'étaler, parce que, subhanallah, quand on revient d'un voyage et qu'on a vu Sidi Cheikh Mohamed Fawzi El-Karkari, bah, notre langue, elle se délie, on est émerveillé, on est ébloui, on est serein dans le cœur. Tout peut nous arriver, on dira Alhamdoulilah, Allahumma lakal hamd wa lakash shukr. On n'a plus peur. Après, il y a des choses, il faut voir Waliyullah et à s'asseoir devant lui pour y avoir accès. On ne peut pas tout avoir accès simplement à distance. En tout cas, moi, je voulais faire un témoignage de la lumière divine que j'ai pu observer et j'aimerais le dire. J'en ai pas parlé à Waliyullah parce que c'est pas de la timidité, mais jusqu'à présent, je me sens pas mérité je me sens pas encore mérité ce titre de faqir, de Sidi Chir. Il me l'a donné, mais il faut que je le mérite. Il faut que je fasse un travail sur moi-même pour mériter cet honneur d'être un de ses disciples, un de ses élèves, quelqu'un qui va apprendre à cheminer dans cette merveilleuse voie qui nous apporte que du bonheur. Comment dire? Voilà, j'ai pas osé lui demander, mais en tout cas, je me permets de le dire. Moi, la lumière, c'est un soir, j'étais triste, je me suis endormi avec les larmes, en pleurant. Je changeais d'emploi et j'avais pas le temps d'aller voir. C'était pour moi, voilà. Je finissais un travail, attaquais directement un autre travail. Et Sidi Cheikh Mohamed Fawzi El-Karkari, je pourrais pas aller le voir d'ici 4-5 mois. Et ça m'a rendu triste. Je me suis allongé sur mon lit. Je m'étais mis à pleurer. Je me versais des larmes. J'étais triste de pas pouvoir aller le voir. Et par contre, à ce moment-là, je me suis dit, dans mon cœur et avec ma bouche, Allah, cet homme, il m'a touché mon cœur et je l'aime. C'est pas je l'aime de tout mon cœur ce savant, parce qu'à ce moment-là, je ne sais pas que c'est encore un wali. Je dis ce savant, ce shir, il m'a touché mon cœur et je l'aime. J'aime ce shir et ya Allah, si cela m'est permis, je veux être un de ses disciples et faire pacte avec mon cœur, avec cet homme. Et bien, subhanallah, ça n'a pas tardé. J'ai fait ça la nuit, le lendemain matin, j'étais entre le réveil et l'endormissement, c'est-à-dire que je dormais, je me réveillais comme ça d'un œil, et là je voyais une masse de lumière blanche qui partait de ma poitrine jusqu'à mes orteils, et qui allait nulle part autre. Mais cette belle lumière blanche, très, très blanche, blanche, elle partait de ma poitrine vers mes pieds, je me réveillais en regardant, et j'entendais Allah. Ça me rassurait le fait d'entendre Allah, je me rendormais. Je me réveille, je vois encore cette lumière et j'entends Allah. Alors je retourne, je me rendors. Une troisième fois, je me réveille, je vois encore cette lumière blanche, puis comme si elle travaillait ou je ne sais pas ce qu'elle faisait. Elle était blanche, très belle et puis comme un petit peu en mouvement, mais que de la poitrine jusqu'aux orteils et surtout vers les orteils. Et à ce moment-là, j'entends Allah une troisième fois, je me rendors, quatrième fois, je me réveille. Je me réveille pour aller faire ma prière du Fajr et il n'y a plus cette lumière et je me sens apaisé, tranquille. Je me dis, Subhanallah, est-ce que ça serait ça? Est-ce que vraiment j'ai vu la lumière, cette lumière divine? Et j'ai aucune connaissance. Jusqu'à présent, je n'en ai pas parlé à Waliullah et je ne peux pas expliquer ce que c'est. Mais cette même lumière, j'ai pu l'observer à la Zawiya qui entrait dans mon œil droit. J'ai pu observer cette lumière, la même qualité de blancheur, qui arrivait vers moi et qui entrait dans mon œil droit, qui restait un peu comme ça devant mon œil droit, jusqu'à après rentrer et partir. Qu'est-ce que je voulais ajouter à... Voilà, ça veut dire la lumière, je l'ai vue déjà, dès que j'ai fait le pack dans mon cœur, ça n'a pas tardé. 5-6 heures après, sur mon lit, c'était la première fois de ma vie que je vois ça, cette lumière. La première fois de ma vie que je vois de mes yeux cette belle lumière blanche. Et ensuite, quand je suis allé à la Zawiya et que j'ai pris le pack de Waliullah, je ne sais pas comment on dit, mais que j'ai accepté de tout mon cœur que j'ai voulu être un de ses disciples, Fuqara, et que lui devienne mon père et maître spirituel. Je remercie toutes les personnes qui auront écouté mon témoignage. Inch'Allah qu'il puisse être profitable à toute personne qui désire entreprendre cette tariqa, ce cheminement spirituel. Barakallahu fikoum, qu'Allah nous guide, qu'Allah nous facilite, qu'Allah nous pardonne tous nos péchés, qu'Allah nous aide.
dans nos actes d'adoration à être sincères et à adorer Allah de la manière dont l'a adoré Mohammed Ali Salatu Wassalam. Je vous remercie, mes frères. C'est un plaisir et un honneur d'être parmi vous aujourd'hui, d'être le faqir de Waliullah. Et je vous aime en Allah. Sincèrement, vous m'avez touché le cœur. Le peu que j'ai pu vous fréquenter à la Zawiya, vous êtes des frères en or. Mashallah, la quwwata illa billah. Qu'Allah vous préserve. Qu'Allah vous préserve et comment dire, et augmente ces liens de fraternité. Qu'Allah augmente nos liens de fraternité et les rend encore plus forts les uns vis-à-vis des autres. Barakallahu fikum. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد الحمد لله رب العالمين الحمد لله